Des soldats onusiens se sont rendus dans la communauté de l'État d'Équatoria occidental, au Soudan du Sud, en compagnie d'autorités locales afin d'évaluer la situation sécuritaire. Selon la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, la pénurie des services est aggravée dans la zone par l'arrivée des personnes déplacées fuyant la violence intercommunautaire dans les comtés voisins de Tamboura. Nous avons couru dans la brousse, puis nous avons commencé à avancer. Après un certain temps, nous avons atteint Nadiangere. Il n'y avait rien à manger pour nous, je suis maintenant fatigué. Pas moyen d'arriver jusqu'à l'hôpital, aucun accès à la communication, aucun moyen de parler à mon frère ni à ma sœur qui sont restés sur place. Les populations affirment manquer de services de base concernant l'éducation, la santé et les infrastructures de sécurité. Il faut noter que les Nations Unies ont financé la construction d'une école primaire dans la région.